On devrait m'entendre. Alors, attendez, est-ce qu'on m'entend assez fort ou est-ce qu'il faut vraiment que je prenne le micro, que je le mette vraiment devant moi et qu'on se parle normalement sans mettre des micros à 15 km, 15 km de la bouche. Alors, je vais relancer le jeu parce qu'il était tout bugué. En même temps, c'est une alpha, donc c'est pas étonnant. Je vais juste tenter de réattribuer les touches aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir fait 10 fois, mais à chaque fois qu'on le lance, il s'en branle et il est en mode de WASD. Et je vais évidemment cliquer sur ce bouton pour me rendre compte que c'est mal cadré et qu'on voit un bout du mur. Donc il faut que je bouge. Voilà. Oh là là. Alors, vous voyez le jeu là. Ça c'est le jeu, c'est pas... c'est pas un truc gris derrière. C'est le jeu qui démarre. Temtem, un jeu en alpha. Hop. Petit carton qui nous dit le jeu il est en alpha. C'est normal, ça va bugger. On le sait, ça nous fait pas peur. Alors, c'est frisé. Oui, voilà, c'est mieux. Est-ce que je peux me déplacer? Non, mais en fait, il s'en fiche des imputes que je lui donne, donc il faut que je mette le clavier en anglais. Sinon, c'est pas jouable. Oh là là, mais ça lag à mort aujourd'hui. Je sais pas d'où vient ce lag, si... Je pense pas que ça vienne du shadow parce que j'arrive à bouger la souris sans aucun lag. J'ai vraiment l'impression que c'est le serveur du jeu qui lag à mort. Bon, j'ai soigné les Temtem. J'ai soigné les Temtem, on va repartir à l'aventure comme nous l'avions fait la dernière fois afin de découvrir un peu plus ce monde. Je sais pas s'ils ont fait des mises à jour, j'ai pas l'impression. Je pense qu'on est un peu toujours dans les mêmes choses connues de la dernière fois. C'est-à-dire juste des villes et des Temtem. Parce que déjà pas mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a des quêtes. Mais comme il n'y a pas de journal de quêtes, etc. Et que c'est pas forcément très clair. Je suis pas certain en fait que tu puisses les faire les quêtes. Donc c'est un peu... C'est un peu le problème. Alors, je replace juste mes petits trucs. Voilà. Alors, ouais, c'est un peu laggy. C'est un peu beaucoup laggy. Bouge. En théorie, on est déjà allé ici. On va avancer, hein. on avait commencé à avancer par là la dernière fois. On va tenter de continuer sur ce chemin et avancer, voir toutes les villes, le faire un peu au pif. Alors, je sais qu'il y a quand même pas mal de beaucoup de contenu parce que j'ai des gens qui. J'ai regardé des gens qui jouaient et ils avaient notamment le badge qui permettait de monter sur ces trucs là, sur ces rochers. C'est vachement bien d'avoir un curseur en fait, tu peux montrer les choses aux gens. Et donc du coup, je sais que c'est faisable, quoi. Donc il faut... Il y a des arènes Pokémon, entre guillemets. Je sais pas comment ça s'appelle encore dans Temtem, vu que j'en ai pas vu. C'est très buggé aujourd'hui, c'était beaucoup moins buggé la dernière fois. Oh là là, mais quand ça rame, c'est pas possible. Pourtant, je crois que le jeu a pas été mis à jour ou quoi que ce soit. Mais... Après, donc, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de trucs en rapport avec le serveur. Là, je me casse parce que je le connais déjà, hein, ce Pokémon. C'est Temtem. On va donc aller voir un peu plus ce qui se passe. Halloween. Elle, je suis pas sûr de l'avoir combattu. Je crois que j'en ai pas des Ganky.
liberté de les attraper. Son petit niveau, donc faudrait pas les def. Sinon, on pourra pas les attraper. Alors là, je pense que c'est quand même une bonne attaque. Hein. Ah non, bah oui, elle est pas très efficace contre lui, donc c'est pas plus mal. Allez, tu vas y arriver. Après, si c'est lourd comme ça et que ça lag comme ça, on va peut-être pas jouer longtemps. Quoi. Allez, calme-toi. Je baisse un peu le son, sinon c'est un peu relou du coup. Oh là là, quel enfer. Ah merde, j'ai oublié de gérer ça. Ah non, mais c'est lui. Il s'est fait mal lui-même. Bon, du coup, je pense que là, on peut commencer à essayer de l'attraper, vu qu'il a mid-life. Bah alors, je vais attraper le seul qui est attrapable, en fait. On va lui donner un dernier petit coup, comme ça, là. Ah bah, je l'ai attrapé avant. C'est ça, électricité, vent. Je crois pas qu'on l'ait déjà pris. Ah, donc on s'était déjà battu avec elle, j'étais pas sûr. Ah, mais oui, parce qu'on s'est même battu là, contre ces deux-là. Alors, je sais pas s'ils n'ont pas tué, d'ailleurs. Je me dis qu'il y a peut-être... Là, il faut le truc de surf pour ça. En vrai, je comprends même pas quel est le rapport entre le serveur et la musique. Pourquoi le fait que il y ait des lags Ah, d'accord. Apparemment, quand on a des Temtem qui fonctionnent bien ensemble. Quand on a des types qui vont bien ensemble, ça double les dégâts. Par exemple. Bon, après, il a sorti un exemple un peu débile, genre si vous êtes tous les deux type feu, et ben du coup, ça fait des attaques type feu très fort. Ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique. Non, parce qu'il pourrait y avoir juste les attaques type feu normales. Enfin. Les deux, elles pourraient faire x1, mais là, apparemment, elles font genre x1,5, les deux. Parce que il a son pote qui fait du feu aussi à côté. Ils sont plus forts que moi. Hein. J'espère qu'on va pas se faire éclater. Oh. J'ai pris cher. Ah. Fallout 76 a été mis à jour. On va probablement y jouer plus tard. Pourquoi je peux pas le prendre? Oui, mais j'ai compris, moi je voulais prendre lui. C'est déjà l'autre? Je comprends pas. Oh, j'ai pas compris ce qui s'est passé.
Et d'accord, les deux sont morts en même temps. Okay. J'ai pas des attaques de ouf en plus. Hein. Et je vais peut-être mourir. Aïe. Oui, voilà, c'est ça. Oui. En plus, c'est. Il va me def. Quoi qu'on a à peu près le même niveau, donc pas forcément. Bah, il me faudrait un truc qui est quand même pas trop pourri, donc. Aucun, parce qu'en fait ils sont tous morts. Oh, je vais m'occuper de def lui parce que comme ça sera fait. Il va crever. Il ne les laisse pas attaquer. Bon, il s'est auto-tué, putain. C'était bien la peine. Je vais crever. Mais après, le truc, c'est qu'il a plus de stamina. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est stamina. Et du coup. Ah oui, d'accord. S'il l'a mis automatiquement, c'est mon dernier. Comment on fait déjà? X, C, V, Y. Il y a un truc, non? Clic droit. Ils ont changé. Il y a eu une mage alors, parce que c'était pas comme ça. Ouais. Donc, c'est ça. Celui-ci, ça sert à rien. Enfin, il sert à rien. Il sert à augmenter la vitesse et. Et là, c'est pas vraiment l'intérêt. C'est bon, il va crever. Parce que là, de toute façon, s'il fait une attaque, il s'auto-tue donc. Ah, il est à prison. Faut pas se tromper. Ah non, non, déjà. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais partir. Lag sur 20. Ok, donc là on redescend. C'est con de pas avoir de map hein, par contre. On peut pas rentrer. Je suis sûr que lui c'est un dresseur qui va nous attaquer. Je ne sais pas. Ah non, il nous attaque pas. Bon là on peut redescendre mais on redescend je sais pas où. Là il y a encore un truc. On va pas y aller hein, parce qu'on est déjà. On est mort direct si on y va. On va tenter de redescendre par là, voir ce qui se passe. Ah mais on peut pas, il y a une barrière. Ah mais si on peut. Ah mais non on peut pas. Ah bah on en a pas des pigépics je crois. Je sais plus. Oh on s'en fout. Non l'occasion. Ça va pas marcher. Ça a marché. On va aller se soigner, alors qu'on vient de se soigner quoi. Un combat, ça nous a mis KO.
Putain, ce vieux lag en plus. Allez, ça dégage. C'était par là, non? Non, c'était pas par là. C'est de l'autre côté. Allez, on retourne se soigner. C'était ici? Je me souviens même plus. Mais c'était ici. Ils ont réglé l'effet qu'il y avait. Il y avait un effet en fait où quand t'avançais comme ça, t'avais l'impression d'avoir un truc. Comment dire? Un personnage qui était à fond quoi. Et qui courait super vite. Et qui était limite. Enfin, comme s'il dashait tout le temps. Et là, j'ai plus cette impression là. En fait, ils ont ralenti tout le jeu. C'est pour ça qu'il y a des bugs de musique des fois. C'était de quel côté? C'était vers la droite. Pam! Je vais... Lui. Ok, donc ça c'était pas très efficace. En même temps c'était un truc vol contre un truc vol, un truc comme ça, donc c'est normal que ce soit pas efficace. En fait, ouais, mais du coup je comprends pas parce que... Mais c'était ça. Mais du coup... Parce que là c'était pas très efficace tout à l'heure. Ah, mais c'était pas la même chose. Si, c'est ça, c'était pas très efficace. Mais il n'y a pas le code couleur. Alors pourquoi des fois il y a le code couleur, des fois il n'y a pas le code couleur? Quelle est la règle?
Ah, mais vous avez encore des Tentem, putain. Allez. On est sur un décès. Ah merde, j'ai pas vu que j'avais plus de trucs. Je prends pas l'habitude de surveiller ces trucs-là. Et il faut vraiment les surveiller parce que c'est ça aussi qui joue beaucoup. D'accord. Bon, il est mort. Attends. Qui? Lui? Non, lui il attaque. Il va psy plus sur lui. Lui par contre, il va rentrer. Il va rentrer, on va envoyer tête et rue à la place. Oh non, des bulles. Qui ça? Il y avait marqué Tommy is knocked down, mais je crois que c'est celui qui est mort d'avant, donc je vois pas l'intérêt. C'est trop tard, non, pour revenir en arrière. Je l'ai fait attaquer alors qu'il est pas bien là. Bon, bah tant pis. Ouais, on va faire ça. J'ai vu qu'il y avait un truc là-bas, donc je vais aller regarder. J'ai peut-être tort, c'est peut-être un combat, c'est peut-être... Bah du coup... Par où? Merci. Banshee? J'en ai un de Banshee ou pas? En fait on peut pas... Enfin on n'a pas le... Donc lui il est taré. Du coup on peut se jeter ou pas? Non c'est bon. On n'est pas obligé de mourir. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un combat. Va-t-on arriver vivant? Peut-être pas. Peut-être qu'il va encore falloir se soigner à mi-chemin. Si
façon, je vois pas pourquoi je discute avec eux. À chaque fois, c'est la même merde. C'est pas. Eh oui, en plus, j'en ai un qui a moitié crevé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais te ranger. On va envoyer qui en face? De toute façon. Ah, d'accord. Mais lui alors, du coup. Ouais, mais avec le niveau 22 en face, ça va être compliqué dans tous les cas. Après, on a 2 contre 1. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça plutôt. Allez. Je viens de me faire def. Attends, on réussira à le tuer. Mais le poison aide beaucoup quand même. Le problème, c'est qu'il est fini le poison. Bah, du coup, on peut tenter de mettre Ushik, mais Ushik il va crever. Faut pas qu'il se fasse prendre pour cible tout de suite quoi. J'ai droit à aucune de mes commandes de suite quoi. On sait bien si je peux prendre sur ce portion. Allez. C'était un petit coup de pied de merde. Allez. Et ben voilà, c'était suffisant. Par contre, là, on recroise quelqu'un, on est mort. Hein, parce que j'ai que des temtem avec des niveaux de la con. Que j'ai pas fait monter ou quoi que ce soit. Ah, voilà. Donc, une vraie attaque. Ah. Non. Voilà. Bon, on est où? Parce que là, c'est grand, il y a plein de trucs. Je suis sûr que ça, c'est une ville. Ça, ça a l'air d'être l'endroit où on soigne les temtem. On va y aller.
Talel que je vais pas. Ok, merci de ton intervention. C'était top. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en fait? C'est que oui, ben attends. Faut y aller par le nord. Je sais pas si on va y aller maintenant parce que. Parce que la flemme. Parce que la mise à jour de Fallout 76 a été est terminée. Et que j'aimerais bien lancer ce jeu parce que je l'ai payé très cher. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, est-ce qu'il est bien, et ce genre de choses. Donc, je pense qu'on va se retrouver sur Fallout 76 d'ici quelques minutes. Ok. Et bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live-là. Mais je vais relancer le live d'ici peu. Pour Fallout 76. Donc, à très très vite. Bisous.
1776, cette grande nation a accepté que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie. Bonjour, Abri 76. Ici votre superviseur. J'espère que vous avez bien profité de la fête hier soir. Je parle aussi de ceux qui ont un peu trop célébré ou dormi. Cependant, il est l'heure de vous réveiller et de sortir. Nous sommes enfermés ici depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est la fête de la reconquête. Il est peut-être temps de partir, mais je n'oublierai jamais le jour où vous avez tous pénétré dans l'abri 76. Vous êtes des hommes et des femmes de tous horizons, de toutes origines, couleurs de peau ou croyances. Mais vous partagez tous quelque chose d'essentiel. Vous êtes les meilleurs des meilleurs que ce pays avait à offrir. Mais surtout, vous serez toujours ma famille. On vous a demandé de rebâtir l'Amérique. Rien que ça. C'est une responsabilité écrasante. Sachez simplement que Voltec est fier de vous. Que je suis fier de vous. Quand vous entendrez ce message, je serai déjà parti depuis plusieurs heures. J'ai ma propre mission dans les Appalaches. C'était votre superviseur. Terminé. Bonjour. Ah, enfin, je crois que vous ne vous réveilleriez jamais. Vous ne vous souvenez pas? C'est la fête de la reconquête! C'est l'heure de sortir de l'abri! Pratiquement tout le monde est déjà parti. Allez, on s'active! Allez, plus vite! Le
pas se reconstruire tout seul. Beaucoup d'eau à l'extérieur. La grande majorité étant sûrement irradiée. Dans le doute, faut que ça coule. Vous vous imaginez mourir de faim ou de soif? N'oubliez pas, monsieur, prenez du Radix pour prévenir l'irradiation ou du Runaway pour la faire disparaître. Le petit confort bourgeois, c'est terminé, monsieur. Si vous voulez quelque chose, vous le fabriquez. Je sais que l'abri est un endroit douillet, mais bientôt, vous devrez faire face à un manque cruel d'électricité et de sécurité.
départ. Vous n'êtes pas obligé d'y aller seul. Retrouvez vos compagnons ou nouez de nouvelles amitiés. Vous devez tous franchir cette porte d'abri géante tout seul. Sauf si, bien sûr, vous avez quelqu'un avec vous. En fait, ce serait mieux si... À l'extérieur, votre survie sera plus aisée grâce à votre centre d'assemblage et de montage portatif. Quand... Oh, il a grogné le choc. Certains les appellent métiers, mais je préfère les appeler aptitudes. Je sais que ce qui vous attend peut être effrayant, mais vous avez les capacités non seulement de survivre, mais de prospérer. Eh oui! S'adapter, c'est la clé. Si votre rôle ne vous convient pas, essayez-en un autre. Pensez créativité. Monsieur, avec votre talent, vous pouvez tout faire. Et ça, c'est sûr et certain. Choisir son destin, cuisinier, assassin, médecin, pirate, bouclier humain. La condition humaine est un miracle. N'arrêtez jamais d'apprendre. Devenez le meilleur de vous-même.
leader a dit qu'elle avait installé son camp plus loin sur la route, au sud. Vous devriez aller à ce camp. Trouvez le superviseur. Amusez-vous bien en reconstruisant l'Amérique. Journal du superviseur, ou plutôt, transmission directe. Parce que celui qui écoute ce message aura eu le courage de chercher où j'étais passé. Mais je suis heureuse que vous l'ayez fait. En vérité, j'ai besoin de votre aide. On m'a confié une mission, et j'ai décidé de briser toute confidentialité et de vous la révéler. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces dernières années, c'est que nous devons absolument nous serrer les coudes. Il y avait 3 silos nucléaires actifs dans les Appalaches avant le bombardement. Ils sont à l'origine d'un cataclysme mondial. Et nous ne pouvons pas laisser ça se reproduire. Nous devons donc localiser et sécuriser ces 3 silos. En espérant ne pas en arriver là. Mais ça fait 25 ans. Je ne sais absolument pas ce que nous allons découvrir à l'extérieur, ni par où commencer. Mes ordres étaient de gagner le centre de population le plus proche et d'évaluer la situation. Lorsque j'aurai pris mes repères, j'installerai un camp sur le chemin. Retrouvez-moi là-bas. Thank you.
l'abri 76. Je savais que je ne retrouverais pas les Appalaches de mes souvenirs, mais... des animaux mutants, des robots détraqués, et jusqu'ici, pas âmes qui vivent. Nous devons nous tenir prêts pour reconstruire, dans ce que je confirme être, une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. Vous voyez ça? Un poste de cuisine, une caisse de matériel, des ateliers. Tout a été construit avec le camp. Il vous faudra une base dehors. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, de planification et d'un peu d'huile de coude. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit sera stocké et prêt à être placé dans une nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. J'ai laissé mon camp derrière moi pour que vous puissiez l'utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des Appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je me débrouillerai. La ville de Flatwoods devrait se trouver au bout du chemin. Du moins, si elle existe encore. Vous me retrouverez là-bas. C'était votre superviseur. Terminé. Thank you.
En fait, je n'ai pas de son depuis le début. Heureusement que personne ne me regarde parce que... Bah, c'est quelqu'un ça? Je peux pas trouver un lapin quoi. Mais du coup j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans le phare ou quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'ici?
C'est pas de couille. Non, je voulais juste, je sais pas, mettre un marqueur, un truc. Alors, est-ce que je peux me faire mon truc? Place tranquille. Boum. Confectionner. Tenue. Place tranquille. Bam. Je l'ai là? Je dois l'avoir. Ok. Est-ce que du coup je peux manger ce que je viens de faire? Qui m'apportera probablement. Ça j'aimerais bien enlever le marqueur. Retiens le marqueur. Okay. C'est nul au niveau de l'ergonomie, c'est incroyable. On va aller voir. Pourquoi il y a un truc en feu? On va aller voir vite fait. Peut-être qu'on va mourir. Ouais, c'est bien ça. Il m'a vu. Thank you.
Arrête, canaille. Tu vas dégager. Que là aussi il va y avoir des trop belles qui veulent me tuer. Parce que la dernière fois qu'il y avait ça. Il y avait des trop belles qui veulent me tuer. D'accord, effectivement, il y a un truc qui m'attaque. Ah et puis en plus il m'attaque en se téléportant parce que le jeu est au même endroit. Du superviseur, ville de Flatwoods. Les mystères Farmans sont devant. Mon Dieu. Il n'y a personne ici. L'ancienne taverne, l'église. Les gens s'en servaient comme abri, mais. Il n'y a plus personne. On s'attendait à des mutations, mais. Il s'agit de quelque chose d'autre. D'une maladie. J'ai été attaqué par. Je crois qu'avant, c'était une personne. Mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On est un. Un quoi? Ce qu'il s'est passé ici dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Et pourtant, on a imaginé l'inimaginable. On l'appelle la Grande Guerre maintenant. Elle n'a pas duré longtemps. Et le théâtre a été sanglant. Bienvenue dans Récits de survivants. Je suis Dassa Ben-Ami. Samaritaine. Je travaille avec les Samaritains depuis 2 ans maintenant. Je suis originaire de Charleston, donc je n'ai eu aucun mal à intégrer le groupe. Le boulot n'était vraiment pas une partie de plaisir. Reconstruire les Appalaches pierre par pierre, alors que des survivants nous rejoignaient régulièrement d'un peu partout. La plupart n'ont fait que passer, sans raconter leur histoire, sans graver leur nom dans la mémoire collective. J'ai pensé que nous devions conserver ces tranches de vie. J'ai demandé aux gens d'enregistrer leurs pensées, leur vécu, tout ce qu'ils veulent transmettre à la postérité. J'intitulerai cette série « Récits de survivants ». Je vais commencer par moi. J'étais étudiante en anthropologie à l'université Voltaire, en master. J'allais imprimer mon mémoire quand j'ai entendu les sirènes. J'étais persuadée que mon père... Thank you.
dans l'abri avec mon petit frère. Ils ont bien essayé de me persuader, mais en vain. J'ai fini par les pousser à l'intérieur, et c'était réglé. Après ça, je suis rentrée à Charlie. On en a bavé. Sure.